Bonjour et bienvenue sur les dictées en ligne d'orthodidacte. À vos mots, prêts? Partez! Je vous propose aujourd'hui un nouvel épisode de la dictée du confiné. Je vous lis d'abord le texte intégralement. C'est la première fois que nous vivons une telle expérience d'isolement. Espérons que ce sera aussi la toute dernière. La première fois, pas pour tout le monde. Ma foi, si on y réfléchit bien, certaines personnes sont parfois confinées pendant de longues périodes. Parmi elles, citons les navigateurs qui doivent se contenter de quelques mètres carrés pour déambuler, bien qu'ils soient seuls à des dizaines de kilomètres à la ronde. Ayons également une pensée pour tous les prisonniers qui doivent faire les 100 pas dans des cellules rendues encore plus exiguës par la surpopulation carcérale. Et maintenant, c'est à vous d'écrire. C'est la première fois C'est la première fois que nous vivons une telle expérience d'isolement. Point. Une telle expérience d'isolement. Point. Une telle expérience d'isolement. Point. Espérons que ce sera aussi la toute dernière, point d'exclamation. La toute dernière, point d'exclamation. La toute dernière, point d'exclamation. À la ligne. La première fois, point d'interrogation. La première fois, point d'interrogation. La première fois, point d'interrogation. Pas pour tout le monde, point d'exclamation. Pas pour tout le monde, point d'exclamation. Pas pour tout le monde, point d'exclamation. Ma foi, si on y réfléchit bien, virgule, si on y réfléchit bien, virgule, si on y réfléchit bien, virgule, certaines personnes sont parfois confinées. Certaines personnes sont parfois confinées.
certaines personnes sont parfois confinées pendant de longues périodes. Point. Pendant de longues périodes. Point. Pendant de longues périodes. Point. À la ligne. Parmi elles, virgule. Parmi elles, virgule. Parmi elles, virgule. Citons les navigateurs. Citons les navigateurs. Citons les navigateurs qui doivent se contenter. Qui doivent se contenter qui doivent se contenter de quelques mètres carrés de quelques mètres carrés de quelques mètres carrés, évidemment mètres carrés en toutes lettres, mètres carrés en toutes lettres, de quelques mètres carrés pour déambuler, virgule, pour déambuler, virgule, pour déambuler, virgule, bien qu'il soit seul, bien qu'il soit seul, bien qu'il soit seul, à des dizaines de kilomètres à la ronde, point. À des dizaines de kilomètres à la ronde, point. À des dizaines de kilomètres à la ronde, point. Évidemment, kilomètres en toutes lettres. À des dizaines de kilomètres à la ronde, point. À la ligne. Ayons également une pensée. Ayons également une pensée ayons également une pensée pour tous les prisonniers pour tous les prisonniers pour tous les prisonniers qui doivent faire les 100 pas, alors 100 en toutes lettres, qui doivent faire les 100 pas, qui doivent faire les 100 pas dans des cellules, dans des cellules, rendu encore plus exigu, rendu encore plus exigu, rendu encore plus exigu par la surpopulation carcérale. Point.
par la surpopulation carcérale. Point. Par la surpopulation carcérale. Point. Et c'est la fin de la dictée. Je vous la relis. C'est la première fois que nous vivons une telle expérience d'isolement. Espérons que ce sera aussi la toute dernière. La première fois, pas pour tout le monde. Ma foi, si on y réfléchit bien, certaines personnes sont parfois confinées pendant de longues périodes. Parmi elles, citons les navigateurs qui doivent se contenter de quelques mètres carrés pour déambuler, bien qu'ils soient seuls à des dizaines de kilomètres à la ronde. Ayons également une pensée pour tous les prisonniers qui doivent faire les 100 pas dans des cellules rendues encore plus exiguës par la surpopulation carcérale. Et voilà, c'est terminé. Prenez le temps de vous relire tranquillement et quand vous aurez terminé, cliquez sur « Valider » pour accéder au corrigé. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de la dictée du confiné sur dictée.orthodidacte.com. Prenez soin de vous, restez chez vous et faites des dictées. À bientôt pour le prochain épisode.